CST, un groupe qui a fait sensation au début des années 2010 avec un titre entêtant et qui a tourné pendant de longs mois. En sortant le tube Battez-vous, les Brigitte ont conquis le public français et après plus de 10 années de collaboration et 5 albums, les deux chanteuses ont décidé de se séparer en 2021. Une fin pas vraiment bien vécue par Aurélie Saada qui avait annoncé cette rupture non sans amertume, employant même le verbe larguer. Mais si elle a subi cette séparation, elle a décidé de poursuivre sa carrière en solo et CST sous son propre nom que l'artiste de 44 ans sort son premier album, Bomboloni, fin octobre et elle sera en tournée à partir de janvier 2023. Si tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle, CST également le cas dans sa vie privée. Maman de deux filles, Shalom et Scarlett, Aurélie Saada leur a donné un rôle sur son album puisqu'elle compose les chœurs sur une des chansons. Lors de l'enregistrement, on s'est toutes mises à pleurer, raconte-t-elle dans une interview accordée à Paris Match. Deux filles forcément très importantes dans la vie de l'artiste, mais si elle leur a offert une première expérience certainement très amusante, elle ne cherche pas pour autant à en faire de futures chanteuses. Elles feront ce qu'elles veulent. Mais si CST vrai qu'elles ont un goût prononcé pour l'écriture et les instruments, assure celle qui est également actrice et réalisatrice. Quand il m'a quitté, je ne m'y attendais pas. Je croyais être aimée autant que je l'aimais. Si elle est une mère heureuse, Aurélie Saada a connu plusieurs déceptions amoureuses dans sa vie, mais l'une d'entre elles lui a fait plus mal que les autres. J'ai aimé follement le père de mes enfants. Quand il m'a quitté, je ne m'y attendais pas. Je croyais être aimée autant que je l'aimais, raconte-t-elle, visiblement déçue de la fin de cette histoire. Malgré ses peines de cœur, la chanteuse née à Paris a toujours gardé le sourire et la maman semble avoir une petite idée du pourquoi, vous savez, en arabe, Saada signifie bonheur. Retrouvez l'article sur Aurélie Saada dans le dernier numéro de Paris Match publié le 17 novembre 2022.